allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches dans une vidéo boîte aux lettres. Juste pour vous dire, sur mes lèvres, j'ai ce petit truc là qui est très sympa à utiliser. C'est le Lip Paint Matte de chez L'Oréal en teinte 201 Hollywood Beige. Je l'ai reçu dans un colis d'une abonnée. Je vous remettrai là le lien si j'ai déjà mis la vidéo en ligne. On verra. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite découverte, très sympa, j'aime bien le style que ça rend. Ça n'a pas une tenue de fou, mais ça part assez uniformément sur les lèvres, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, dans ma boîte aux lettres, j'ai reçu pas mal de petites choses déjà en ce début de semaine. Un petit coffret comme ça, trop mignon, de la marque L'Atelier Maquillage Paris, qui est une marque que je connais déjà, que j'ai découvert dans une box une fois, et lors d'une soirée blog. Vous savez, elle a un logo comme ceci. Et à l'intérieur de cette petite box trop mignonne, ils nous ont fait une jolie box. Ils nous ont concocté un petit trio pour les sourcils. Et bah, toujours de la marque L'Atelier Maquillage. Donc voilà, ça se présentait comme ceci. Et dedans, il y a trois produits. Donc vous avez la boîte à sourcils, une espèce de brow box. Donc un kit complet pour les sourcils en teinte brun, j'avais demandé. Donc ça se... C'est une petite boîte comme ça que vous pouvez emmener partout avec vous. Il y a même des petits patchs entre guillemets, hein, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est des, vous savez, des petits patchs comme ça à sourcils pour selon la forme de vos sourcils. Hein. Donc voici la petite boîte et elle est trop sympa cette petite boîte. Ah ouais, attendez, là c'est une boîte. Alors vous avez tout ce qui est. Alors comme ça on va mettre, voilà. Ici du coup vous avez deux couleurs, vous savez c'est un petit truc comme ça qui se ferme et qui se rouvre. Les deux couleurs, ils m'ont l'air plutôt pas mal pour mes sourcils, donc je vais tester ça très prochainement. Et là bah, tous les outils pratiques et même, et ça je trouve ça trop bien, ils ont même mis la petite, le petit mascara transparent pour fixer. C'est juste le gel fixateur, là, cherchez le nom. C'est juste top, donc ça je vais tester très prochainement et je vais pouvoir vous en redire des nouvelles dans une vidéo, je pense, maquillage. Je pense que je vais vous refaire prochainement une vidéo blabla, vous savez, je papote et je me maquille en même temps avec vous. Et je teste mes dernières nouveautés, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous dit. Donc ça je vais le tester très prochainement pour me faire un avis, mais je pense que la teinte est plutôt parfaite. J'aime beaucoup le côté pratique du kit où on emmène ça avec nous et ben, voilà, on a déjà tout prêt. Et ça, je suis super ravie d'avoir aussi reçu un mascara pour nourrir les cils. Donc nourrit et stimule les cils. Si vous entendez des gazouillements, c'est mon bébé qui est à côté, ne vous inquiétez pas. Donc c'est stimule et nourrit les cils. Et ça, c'est juste top parce que moi, j'ai des rikiki cils. Hein, je ne sais pas si vous verrez, mais ils sont vraiment très petits. J'ai eu une petite allergie au niveau des paupières. Et du coup, bah, mes cils sont partis avec la crème que le médecin m'a donnée. Donc ils sont tout petits maintenant. Et donc, c'est un espèce de mascara comme ça. Et ça c'est top, je pense que c'est du coup un produit transparent à l'intérieur ou peut-être un produit blanc. Ah non, c'est un mascara noir. C'est génial. Regardez. Je pense hein, que c'est noir. Ouais, c'est un mascara noir. C'est trop bien. Alors du coup c'est un mascara traditionnel pour tous les jours et qui nourrit le sourcil. Qui nourrit le sourcil, qui nourrit les cils. Alors ça c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc ça j'ai hâte de tester, du coup bah, je vais le tester dès demain. Et le dernier produit qui est un gommage pour les sourcils qui lisse et unifie, pareil grosse découverte pour moi, je trouve ça génial. Un gommage pour les sourcils quoi, c'est top. Alors vous allez dire c'est gadget et tout, mais pourquoi pas, ça peut être vraiment sympa. Ça se présente comme un petit labello là. Est-ce qu'il va bien vouloir focus? Et voilà. Ah ouais, c'est transparent avec des petites bulles bleues. C'est trop marrant. Ah bah ça pareil, je vais tester dès demain ou dès ce soir, après avoir de maquiller tout ça. Je vais tester, mais c'est cool. Je trouve que là, l'atelier... Je connaissais un petit peu les produits, l'atelier maquillage. Je connaissais un peu leurs produits. D'ailleurs, j'avais testé aussi leur fossile que j'avais beaucoup aimé lors d'une soirée. Donc je vous invite à retrouver cette marque-là sur les réseaux sociaux. Si ça vous dit, je vous mettrai tout en barre d'infos. Ils nous ont même donné un petit guide comme ça et il y avait tout le descriptif des produits. Voilà, alors j'espère un jour avoir des cils comme ça. Hein. Rêvons. En tout cas, je suis contente de pouvoir redécouvrir aussi cette marque un peu plus en profondeur. Donc je vous en parlerai très prochainement. Ensuite, de ma boîte aux lettres, j'ai reçu un jeu de société pour jouer avec mes amis qui s'appelle Focus. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de la marque Gigamic.
Donc je sais pas du tout où ça peut se trouver d'ailleurs, c'est une très très bonne question. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos, comme ça vous pourrez regarder où est-ce que vous pouvez l'acheter. Mais c'est un jeu, voilà, cet été je pars en vacances avec des amis. Yasmine, si j'y passe par là, je te fais des bisous. Et du coup, je me suis dit que je pouvais l'emmener pour qu'on joue ensemble, on se connaît plutôt bien. C'est un jeu où il faut avoir une bonne critique de soi quand même, hein, parce que je pense que ça peut faire des ennuis si on n'est pas avec les bonnes personnes. Mais voilà, ça s'appelle « Prêt à vous faire tirer le portrait ». Je vous lis vite fait ce qu'il y a écrit derrière pour que vous ayez une idée quand même du jeu. « Connaissez-vous assez bien vos amis pour répondre à leur place à des questions personnelles ? Et eux, quelle image ont-ils de vous ? 240 questions originales et amusantes vous invitent à les découvrir. » Donc bah, ça a l'air plutôt pas mal, c'est un jeu sur la communication, en même temps ça peut faire rigoler. Bon après j'espère qu'on va pas trop nous dire nos défauts parce que ça peut nous fâcher. Donc à voir, mais je vous en reparlerai cet été dans mes vlogs de cet été. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vlogs cet été aussi. Je vous montre aussi mon petit collier que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Il vient de la boutique en ligne Sornette et Pacotti. Je vous mettrai le Instagram et la boutique en ligne en barre d'infos. Et j'ai reçu des boucles d'oreilles aussi qui sont trop trop belles. Mais malheureusement en ce moment j'arrive pas à mettre de boucles d'oreilles depuis quelques temps. Elles sont trop trop jolies. Celles-ci je les adore. Et voilà, elles sont vraiment très très belles. Et la qualité est dingue. Alors attendez, il y en a qui se sont emmêlés les gars. Voilà, alors je pense vous en faire gagner une très prochainement sur mon Instagram. Peut-être les petites bouches. Celles-ci elles sont très belles aussi, très discrètes, j'aime beaucoup. Donc voilà, si vous voulez aller découvrir la marque Sornette et Pacotti, je vous invite sur Instagram et sur sa boutique en ligne. Maman loulou. Ensuite j'ai reçu le FX Plus de chez MAC. Moi je l'ai déjà, il se fait presque fini, hein. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Donc c'est le FX Plus. Oui, je l'ai déjà. Donc j'avais déjà acheté la boutique MAC l'année dernière, je crois. J'utilise quand même tous les jours presque. Je l'aime beaucoup. Donc là, je suis ravie de l'avoir de nouveau. C'est vraiment une brume fixante, qui rafraîchit et qui fixe votre teint et le permet de le faire tenir en avance. Alors vous pouvez l'utiliser avant de vous maquiller, vous vous maquillez et vous pouvez le remettre après pour fixer tout ça. Et je trouve qu'il est vraiment bien. D'ailleurs, même aussi, je l'utilise pour les pigments. Quand ils sont pas très... Quand mes fards à paupières sont pas hyper pigmentés, ben, j'aime bien utiliser avec cette petite brume. Comme ça, ça leur donne un côté un peu effet mouillé, un peu métallisé. J'aime beaucoup. Donc, je vous la conseille si vous ne connaissez pas encore le FX Plus de MAC. Mais bon, ça me paraît bizarre que vous ne le connaissiez pas déjà. Ensuite j'ai reçu un colis de la marque Novo Expert, c'est un joli colis d'ailleurs, c'est une super idée pour la fête des mères je trouve. Ils ont sorti un nouveau produit comme ça qui est une brume aussi, enfin, disons c'était la semaine des brumes dans ma boîte aux lettres, qui est une brume hydrotonique, composée d'acide hyaluronique, donc ce qui permet d'avoir un effet anti-âge entre guillemets sur la peau, de repulper votre peau au maximum à travers une petite brume comme ça, trop mignonne. Donc dès que je l'ai testé, je vous en dirai des nouvelles. En tout cas, elle a l'air plutôt pas mal. Donc je connais un petit peu la marque Novo Expert, puisque c'est une marque, j'ai un sérum de cette marque-là. Donc dès que j'utilise le sérum, j'utiliserai la brume avec pour faire un combo, un combo du toner, on pourrait dire. J'arrive plus à parler aujourd'hui. J'ai fait ma commande, alors je vous ai parlé dans ma vidéo, vlog, mon dernier vlog, une journée avec moi, je vous avais parlé de ma commande PhotoWeb. J'ai commandé sur PhotoWeb des mugs, donc j'ai reçu un, je vous l'ai montré dans mon vlog, donc je vais pas le remontrer aujourd'hui. Et aujourd'hui je suis repartie chercher le dernier colis, parce qu'ils ont envoyé en plusieurs colis, et là il y a les faire part de naissance de mon fils, et honnêtement, je vais pas vous les montrer parce qu'il y a des photos de mon fils partout et je voulais pas les montrer sur les réseaux sociaux, mais honnêtement les faire part de naissance sont plutôt pas mal du tout. J'en ai commandé je sais plus combien. Est-ce que c'est écrit derrière d'ailleurs? 3 lots, mais 3 lots de 12 je crois. Un truc comme ça. J'ai payé pas très cher du tout et j'avais un code promo de -70%. Je vous remettrai mon lien de parrainage si ça vous intéresse sur le site PhotoWeb. Ils font régulièrement des réductions -40, -60, -70%. Donc moi je reçois les mails et du coup dès qu'il y a -70 je commande. Et je passe par iGraal aussi pour commander, comme ça ça me fait de l'argent en plus sur mon iGraal. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos, je me répète hein, je pense. Et du coup voilà, je suis super contente de l'avoir reçu. D'ailleurs voilà,
quand vous passez par mon lien de parrainage, du coup, vous gagnez 10 euros. Donc, c'est parfait. Donc, j'ai préparé les faire-part. Je vais les plier parce qu'ils sont grands. Je vais les plier et commencer à envoyer. Et j'ai commandé aussi, en plus, avec mes tasses et mes faire-part, des magnettes. C'est la première fois que je prends des petits magnettes... pour mettre sur le frigo avec des photos. Donc j'ai pris des photos de mon mari et moi et ma fille et mon fils. Donc je vais essayer de vous montrer quelques petites photos. Voilà, par exemple, la qualité est vraiment bien. Donc là c'était moi et ma fille, et là mes copines. Donc là vous avez Clémence et Mélanie de la chaîne Happy Together 17. Donc voilà, les copines, et la qualité pareil de la photo est vraiment pas mal. C'est une photo qu'on a fait à l'anniversaire de ma fille, et voilà, je la trouve trop trop belle, donc j'avais envie de la mettre sur mon petit frigo. Voilà, il y a plein de photos de moi, ma fille et ma petite famille, mais je trouve que la qualité est pas mal, et voilà, avec moins 70%, ça valait trop le coup. Donc je suis contente, et c'est une super idée cadeau aussi. Voilà, vous recevez ça dans une petite boîte comme ça, c'est une super idée cadeau, donc j'ai trouvé ça trop bien. Et pour finir, aujourd'hui, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une grosse enveloppe comme ça de la part de Charlène. Donc merci, merci, merci Charlène. Je vois que tu me connais bien. Elle est trop mignonne parce que je vais vous montrer comme ça. Déjà, vous allez dire, elle me connaît bien. On voit qu'elle regarde mes vidéos. Elle a mis du chocolat. Je passe pour la grosse gourmande quand même dans mes vidéos, d'après ce que je comprends. Donc effectivement, je ne connais pas du tout ce chocolat, le Toffee Crisps. Donc j'ai hâte de le tester. Je pense que je le goûterai à 4 heures. Ensuite, elle m'a mis des petites choses d'action, elle m'a mis plein de petits cadeaux, et fallait pas vraiment, hein, fallait pas du tout, du tout, du tout, ma petite Arlène, fallait pas, mais c'est trop, trop, trop mignon. Donc elle m'a mis une espèce de marque-page comme ceci, et après elle m'a mis des choses de chez Action pour mon fils. Donc là, ça va être pour l'album de mon fils, même si je l'ai acheté, j'aime bien les avoir en double. Ces petites choses-là, ça c'est top aussi, je les utilise tout le temps. Ça c'est pour ma fille, et du coup elle pourra mettre aussi des stickers dans ses petites créations. Et ça aussi, c'est trop bien. Elle m'a dit qu'elle me cherchait pour moi les tampons Kir où il y a écrit fait main, etc. Et qu'elle les avait pas trouvés. Du coup, elle m'a pris ça. Mais c'est trop mignon, quoi. Donc voilà, ça, il y a écrit fait main, made with, made by me, etc. Donc c'est des sortes de petites choses à coller, des étiquettes en simili-cuir. Donc c'est trop, trop gentil. Merci, Charlène. Et elle m'a donner deux petites cartes, envoyer deux petites cartes, une pour l'anniversaire de ma fille. C'est des cartes de chez Action qu'elle a un petit peu customisées, donc hip 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 hurra, avec un petit mot trop mignon à l'intérieur, donc c'est trop touchant. Mais ça me fait toujours, comme je vous ai dit, hyper plaisir d'avoir des petites cartes de votre part, ou des petits mots, ça fait super plaisir. Et une carte de félicitations pour la grossesse, enfin pour mon accouchement, et voilà, pour mon fils, et du coup c'est cool. Et pareil, son petit mot me touche, c'est trop mignon d'avoir mis des petites choses en plus, mais il fallait pas, hein Charlène, il fallait pas. Donc voilà, je vous remercie encore tous pour vos petits mots doux, vos messages, vos commentaires, tout ça, ça me touche toujours autant. Et puis on verra s'il y a une suite dans cette boîte aux lettres, mais déjà elle est bien longue. Hein. Donc on verra s'il y a une suite. Je vous fais plein de gros bisous sinon, et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Salut! Et oui, je continue cette vidéo boîte aux lettres avec un teint tout fait. Mais alors ce rouge à lèvres, c'est un X lingerie, le numéro 21. Ça fait pas un peu cadavre? C'est peut-être le fait que ça, c'est un marron clair, mais bon. Donc dans ma boîte aux lettres, les deux hier et aujourd'hui, j'ai reçu deux colis. Dans le premier, il y avait la toute dernière nouveauté de chez The Body Shop. Et elle a l'air juste trop trop sympa. C'est la contour palette, une palette pour le contouring. Où vous avez, en fait, ce qui est bien, c'est que vous avez deux sortes de bronzer. Un vrai bronzer, et là c'est plus pour définir le contouring. Un highlight et un blush. On vous montre derrière comment les utiliser au cas où vous ne savez pas comment les utiliser. Et j'ai regardé, donc le packaging est plutôt sympa comme ceci. Et j'ai regardé, déjà, elle est pas très lourde. Elle peut s'emmener facilement, je pense, dans la trousse de toilette pour les week-ends et tout. Et c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est que c'est une tout en un. Pour les week-ends, tu mets ça dans ta trousse de toilette, t'as tout, quoi. T'as ton bronzer, ton blush, ton highlight en un, et t'as pas besoin d'emmener 10 000 produits. Donc voici les couleurs. Je vais faire un petit swatch pour voir un peu la pigmentation. Parce que j'ai pas mis mes doigts dedans. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. Alors le blush, ça a l'air d'être un... Comment vous dire? Ça a l'air d'être, vous savez, un peu comme le... C'est un rose nacré. Un rose un peu pailleté avec des reflets gold. L'highlight, il est juste là. Le bronzer, il est quand même très orangé. Donc bon, faut attendre un peu l'été. Et le... contouring, enfin celui qui va faire définir,
Il est vraiment mat, il est très beau. Je trouve que voilà, la pigmentation est là. Enfin, ça reste pas une pigmentation de fou, mais c'est plutôt pigmenté. Et du coup, bah, comme ça, on peut pas trop se tromper si on n'est pas très doué, comme moi. Et il est pas mal du tout. Là, c'est vraiment un beau blush un peu rose avec des nacres vraiment gold, ce qui donne un effet un peu doré. Un peu doré. Je me répète. Aujourd'hui, je suis pas très douée hein, parce que j'ai un peu mal à la tête. Du coup, ben voilà, bah, j'ai hâte de la mettre dans ma trousse de toilette pour tester ça pendant les petits week-ends, etc. Et toujours de la marque The Body Shop, j'ai reçu un deuxième produit qui me faisait vraiment envie. Parce que déjà, c'est un produit que je n'ai jamais vu dans leur magasin. Je pense que c'est une grosse nouveauté qui va arriver. C'est un produit 100% vegan, sans alcool, sans parfum, sans colorant, enrichi donc en vrai, entre guillemets, aloe vera. Et testé dermatologiquement et sans test sur les animaux pour celles qui sont qui font attention à ça. Donc c'est un gel doux et rafraîchissant visage et corps qui hydrate et aide à apaiser les peaux sèches et sensibles, non gras. Appliqué généreusement sur le visage et le corps, peut s'utiliser comme masque de nuit. Oh, j'ai bien testé ça, ça me dit bien. Appliquer une couche généreuse sur peau nettoyée, laisser agir pendant toute la nuit et rincer l'excédent du produit le lendemain matin. Éviter les contours des yeux et les lèvres. En fait, pourquoi j'ai choisi ce produit-là? Parce que j'adore tout ce qui est à base d'aloe vera. J'en ai pas beaucoup dans ma salle de bain d'ailleurs, des produits comme ça. Et je me suis dit que là, c'était vraiment un bon petit truc à avoir. Voilà, quand on a la peau très sèche, quand on a une brûlure. Sachez que, bon alors c'est pas du gel d'aloe vera pur, mais si vous avez une brûlure, une petite brûlure et voilà ça vous picote et tout, n'hésitez pas à mettre de l'aloe vera, ça apaise tout de suite, c'est juste un effet de dingue. Et je me suis dit surtout pour cet été, quand on a, voilà, après le soleil, quand on va bronzer un petit peu, ou en tout cas quand on va s'exposer un petit peu, voilà, comme après solaire, je pense que ça va être juste une tuerie. Et je sais pas s'il est ouvert. Il n'y a pas d'odeur particulière, donc vous attendez pas à un truc de fou. Mais voilà, c'est du gel d'aloe vera, ça c'est juste top, top, top. Donc bravo The Body Shop, le fait qu'ils aient sorti un petit truc un peu plus naturel, plus, je sais pas, plus, entre guillemets, un peu plus style bio. Je trouve ça plutôt pas mal. J'ai reçu deux petits produits de la marque Belkin, mais je vais vous en parler dans une vidéo spéciale rééquilibrage alimentaire, un peu remise au sport et comment perdre un peu les derniers kilos de grossesse. Bah, qu'on a hein, après une grossesse. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce genre de vidéo, même si je pense la faire quand même prochainement puisque j'ai plein d'idées. J'ai reçu deux produits de la marque Belkin, un petit produit comme ça pour mettre en fait sur le bras parce que j'ai recommencé à aller courir. Si vous me suivez sur Snapchat et Instagram, je me suis remise à courir le dimanche. Du coup bah j'avais bien besoin d'un petit truc comme ça pour tenir mon téléphone et me booster et pouvoir mettre mes écouteurs etc, parce que j'en avais pas. Et un autre, c'est une petite trousse pour mettre autour de la taille, voilà. Pareil, pour mettre alors son téléphone ou ses clés, sa barre de céréales, son argent, si on part de chez soi et qu'on n'a pas envie de se trimballer avec son sac, etc. Donc je trouve les deux trucs vraiment top. J'ai hâte de les tester, mais je vous en reparlerai du coup dans une vidéo spécifique sur ce sujet-là. Et le dernier colis, c'est un colis de la marque Embryolisse. Vous savez que je reçois régulièrement des colis parce que je suis blogueuse à la base. Et du coup, voilà, il y a écrit chère blogueuse. Et on nous propose de découvrir à chaque fois Embryolisse. C'est vraiment le top à chaque fois parce qu'ils nous proposent, enfin, ils nous envoient leurs dernières nouveautés comme ça. On peut les découvrir et en parler. Mais voilà, il n'y a aucune obligation. On n'est même pas obligé de faire une vidéo ou un article. On n'a rien, enfin, on n'a pas d'obligation. Et ça, c'est vraiment bien. Du coup, ils sont cool. Là, je vois qu'ils ont envoyé deux produits. Un pour moi et un pour mon mari. Le soleil a décidé de se pointer. Donc, pour les femmes, une eau... Alors, c'est quoi? Une eau de beauté Rosamélie. Aux quatre fleurs. Rose, orange, amamélis et cornflower. C'est quoi ça, cornflower? Ah bah, c'est écrit en français de l'autre côté. Bleuet. C'est une lotion tonique sans alcool, tout type de peau. Une eau de beauté en lotion tonique. C'est marrant ça. Du coup, c'est une sorte de. Voilà, c'est un spray comme ceci. Il est énorme, hein. Que vous mettez du coup sur le visage, voilà, pour rafraîchir. Donc, eau naturelle de rose, de bleuet, d'orange et d'amamélis purifiante et tonifiante laisse la peau parfaitement propre et éclatante et infiniment douce. Appliquée chaque matin. Et soir sur le visage et le cou avec un coton pour parfaire le nettoyage et le démaquillage. Ou en brume fixatrice pour
assurer une longue tenue au maquillage. Utilisez aussi à tout moment de la journée en geste fraîcheur. Et on peut même le mettre au frigo si ça vous dit, pour un effet vraiment frais. Ça, j'aime bien, c'est le genre de produit que j'aime bien. Alors attendez, voyons, on va tester tout de suite si le spray il est pas mal. Ah oui, c'est ouf, c'est frais. Oh, c'est hyper agréable. Oh là là. C'est super agréable en tout cas d'utilisation. Voilà. Ça, j'ai hâte de découvrir plus en profondeur. Et pour les hommes, on a un soin booster défatigant, hydratation et énergie. Alors ça, c'est mon mari qui va être trop content parce que lui, il adore les soins pour le visage. Et du coup, bah, il aime bien ceux de la marque Embryolisse. Et là, en plus, un flacon pompe, c'est hyper pratique, hyper hygiénique. Ça va être testé prochainement pour mon mari, donc appliqué sur une peau propre, sur le contour de l'œil aussi, à tout moment de la journée. Avec de l'acide hyaluronique, en premier ingrédient pour info. Donc ça, mon chéri, il va être au top. Et avec ceci, on a reçu bah, du coup les petites documentations. Donc ça, je suis super contente. Embryolisse, à chaque fois, ils sont au top. Au top. Voilà pour cette fin de boîte aux lettres. J'ai pas parlé plus longtemps. Ma boîte aux lettres a été hyper chargée, je suis super contente. J'espère que vous, de votre côté, ça vous a fait plaisir de découvrir avec moi les nouveautés et mes colis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut.